regular monitoring of the recommendations is conducted, and the status of the 390 recommendations as at January 2023 is as follows. 295 have already been implemented or have adequate measures in place. Actions have been initiated on 51 recommendations. 6 may require legislative amendments and are under consideration at the level of different ministries and departments, and 35 are considered not feasible by the different ministries and departments concerned, and 3 recommendations relate to the judiciary. The remaining 15% of the 390 recommendations, which have not yet been completed, are at 31st August. Le Premier ministre qui a reconnu publiquement l'infiltration et l'influence de la mafia dans nos institutions, qui sont sous la charge d'un gouvernement MSM, est Premier ministre depuis 7 ans. Au-delà de votre réponse et de votre aveu, Monsieur le Premier ministre, une chose demeure. Je voudrais savoir, Monsieur le Premier ministre, ce que la population retient de cette photo où vous, personnellement, Monsieur le Premier ministre, en compagnie de quelqu'un qui a été arrêté pour des milliards de roupies dans des bonbonnes de gaz. Qu'est-ce que vous avez à dire en ce qui concerne les infiltrations de la mafia? Ma question est précise. Est-ce que ce monsieur qui est à votre côté fait partie lui aussi de la mafia qui a infiltré nos institutions, dont le Prime Minister's Office? Ma question est directe. Vous savez, l'honorable membre, je peux montrer, et la prochaine fois, je vais emmener d'autres photos. Je ne savais pas que vous allez montrer des photos. Je vais montrer la présence de votre leader avec certaines personnes de la mafia. D'ailleurs, ben, écoutez, vous montrez les photos. Regardez la photo ici. Hein? C'est qui ça? C'est Jasmine Toulouse, candidate du MMM au numéro 14. Avec qui? Peut-être vous allez reconnaître. Alors, ne venez pas montrer des photos comme si vous faites des accusations gratuites. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.